le 16 novembre 1938 est la date officielle de la naissance du sambo en Union soviétique. Ce jour-là, le Comité national de culture physique et des sports reconnaît le sambo en tant que sport. Cette lutte a existé sous de nombreux noms. Sam, Samos, lutte libre. Son nom définitif, sambo, a été formé à partir des premières lettres des mots Samuborona, self-défense, et Biezorugia, sans armes. Self-défense sans armes. Le sambo fut créé à partir de différentes luttes nationales pratiquées en Union soviétique et dans d'autres pays où existaient des systèmes de lutte possédant de très nombreuses techniques de saisie. Le sambo compte actuellement avec plus de 5000 techniques de saisie d'attaque et de défense. Grâce au déplacement à l'étranger des sambokas soviétiques, des fédérations de sambo furent créées dans beaucoup de pays. En 1966, le congrès de la Fédération internationale de lutte, FILA, qui eut lieu à Toledo, aux États-Unis, décida d'organiser tous les championnats du monde officiels dans le cadre de la FILA. En 1985, le congrès de la Fédération internationale de lutte se sépara de la lutte sambo et créa, à part, la Fédération internationale amateur de sambo. Comme cette fédération n'avait aucune infrastructure, on créa la Fédération mondiale de sambo, dont sont membres la plupart des pays où se pratique la lutte sambo. Chute de dos. Chute de côté. Chute roulée de face. Projection sur l'épaule. Rotation de hanche avec contrôle de cou. Prise de jambe avec contrôle de bras à l'autre jambe. Immobilisation en croix avec saisie du kimono.
sorti d'immobilisation. Enchaînement d'immobilisation. Enchaînement avec luxation. Luxation du coude, bras enroulés. Luxation du bras au moyen d'une clé. Bras volés. Enchaînement pied-sol. Rotation des hanches avec bras en dessous de l'aisselle. Soulèvement en fourche. Accrochage de jambes avec renversement arrière. Saisie des deux jambes.
voler avec pied dans l'aine. Blocage à la cheville avec déséquilibre. Immobilisation poitrine contre poitrine. Sortie d'immobilisation. Sortie d'immobilisation avec luxation du coude. Sortie depuis la position à quatre pattes. Bras avec rotation. Balayage de hanche. Soulèvement avec charge d'épaule.
Balayage extérieur. Blocage de genoux avec renversement latéral. Saisie de la jambe contraire avec renversement vers l'arrière. Entraînement vers l'avant avec volée. Projection avec pied à l'intérieur. Immobilisation en ligne et sortie. Oui. Sortie d'immobilisation en ligne. Sortie d'immobilisation. Depuis la position à quatre pattes, luxation du coude. Technique de coup latéral. Saisie douloureuse au talon d'Achille.
saisie douloureuse au mollet. Le sambo comporte une grande variété de mouvements, dits spécialisés, qui ont été étudiés très soigneusement pendant plusieurs années afin d'obtenir d'eux le meilleur résultat. Il y a donc une très grande quantité de techniques, basées sur la physique et la biochimie, et auxquelles correspondent des séquences spéciales de mouvements, positions et attitudes. À travers la coordination d'une technique sportive déterminée, nous comprenons la procédure biomécanique exécutée pour réaliser le mouvement proposé. Ainsi, si notre intention consiste, comme dans le cas qui nous occupe, à projeter notre adversaire sur le tapis, nous pouvons alors, en accord avec les propriétés biomécaniques de l'appareil locomoteur humain, résoudre ce problème de différentes manières. On peut appliquer une technique de saisie de jambes. On peut, depuis une saisie de main du dos, appliquer une projection par les hanches. Il est aussi possible, à partir d'un contrôle de bras, avec main dans le dos, d'appliquer un supplé avec jambes accrochées à celles de l'adversaire, etc. En principe, et de fait, il faut appliquer la solution dans laquelle les forces musculaires peuvent être le mieux mises à profit pour renverser notre adversaire. Chacune des techniques que nous pouvons appliquer à la lutte sambo requiert, pour leur réalisation, des qualités physiques déterminées. Certaines demandent beaucoup de souplesse, tandis que d'autres exigent beaucoup d'agilité, habileté, de coordination ou de puissance musculaire. Chaque samboka doit choisir alors celle qui s'ajuste le mieux à sa constitution, tirant ainsi le meilleur parti de chacune. Ainsi, on fera en sorte qu'une personne d'une grande force physique développe une technique qui lui permette d'utiliser celle-ci au mieux. Et de même, pour ceux qui possèdent des capacités de vitesse, de coordination, de souplesse, etc. Et bien entendu, nous devons écarter les techniques qui ne sont pas favorables à la complexion de la personne. La technique du sambo devra s'orienter vers la maîtrise d'un mouvement déterminé afin d'immobiliser, de luxer ou d'appliquer une prise douloureuse à l'adversaire. Rotation des hanches avec saisie des manches. Voler par-dessus l'épaule avec saisie de revers. Pivot de hanche en tombant. Roue par les épaules.
saisi d'un talon avec blocage de l'autre. Étreinte de la jambe. Renversement des deux jambes vers l'arrière. Accrochage intérieur avec renversement. Demi-entrée avec blocage. Soulèvement avec la cuisse. Immobilisation depuis la position à quatre pattes.
Luxation de jambes. Saisie douloureuse au mollet. Luxation des hanches. Bras volés avec genoux au sol. Projection de l'épaule avec deux genoux au sol. Étreinte avec chute vers l'arrière. Étreinte avec projection sur l'épaule et chute latérale. Saisie au talon avec déséquilibre latéral.
pivot des hanches avec balayage. Renversement latéral. Accrochage intérieur croisé. Accrochage intérieur. Accrochage intérieur avec soulèvement. Saisie au menton avec renversement latéral. Luxation depuis la position à quatre pattes. Depuis la position sur le ventre, sortie et luxation. Travail au sol avec luxation des hanches.
depuis la position sur le ventre, luxation de jambes. Saisie douloureuse.